Mesdames et messieurs, l'entrée des équipes dans sur le terrain, merci de les applaudir très fort. Avec Benjamin Psaume et Joachim Michan. Les gars, ça y est, vous finissez la saison comme vous l'avez commencé, par une victoire. Ça y est, c'est les vacances, ça va être une saison éprouvante, mais une belle saison quand même, les gars. Vas-y. Ouais, on avait à cœur de bien finir. On l'a fait peut-être pas avec la manière en deuxième mi-temps, mais bon, je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue. Donc voilà, mais c'est bien d'avoir fini sur une victoire devant notre public. Et puis ça clôture, malgré tout, même s'il n'y a pas eu la montée à la fin, bah, une très très belle saison. Benjamin, oh, quel but! C'est le premier de l'année, non? Ouais, je voulais pas le dire. Je voulais pas le dire. T'es pas habitué à ce qui marque. RP droit, c'est le talent, tu vois. Non, c'est bien de marquer. Bon, c'était un match. C'est comme l'a dit Jean, on voulait finir sur une victoire. Parce que voilà. On voulait finir par une victoire. Et à l'aller, on a gagné 2-1. On regagne 2-1. C'était un match. Je pense qu'ils se sont pas trop régalés, sauf en première. Après, mon but, ouais, ça me fait du bien. Je suis content que Souli l'ait marqué aussi. Je suis content le péno qu'il ait mis. Après, il met un bon ballon sur le but. Voilà. Et là, on est en vacances. Ça va faire du bien à tout le monde après cette belle saison. Bon, en tout cas, merci à vous, les gars. Merci. Avec Baïdi Sal, Baïdi, comme je disais avec Joachim et Benji, vous finissez sur une victoire. C'était une belle saison éprouvante, mais c'est quand même été une très belle saison. Ouais, c'était une belle saison. On a fait un super départ. Voilà, on était invaincu à la trêve. Après, on a lâché quelques points en fin de saison, mais c'est quand même une belle saison. Grenoble, je pense, mérite sa montée. On nous a accrochés jusqu'au bout. Et voilà, on n'a aucun regret. Enfin, bon, à titre personnel, cette semaine, tu figures dans l'équipe type de foot national. C'est aussi une belle récompense personnelle aussi. Ouais, c'est clair que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On joue au foot pour enchaîner, pour faire de belles saisons. Et voilà, cette année, je suis content, j'ai fait une belle saison. Autant individuellement que collectivement, donc voilà, il y a eu trois joueurs qui ont été récompensés, c'est bien pour le groupe et pour tout le monde. Bah, si tu veux retenir une seule image de la saison, ce serait quoi? Comme ça, une image que tu... Le match où j'ai pas joué, c'était en décembre ou en janvier, je me rappelle plus, l'égalisation là. Contre Grenoble, la dernière seconde, ouais, pas trop. Pas sur le terrain, mais c'était une joie immense. Bon, bah maintenant, bonnes vacances alors, bah, à bientôt. Merci, bonnes vacances à vous et voilà, à bientôt. Merci à toi. Merci. On a joué. 10 heures.
avec Roland Vira, coach Pono, Roland, bah, finissez sur une victoire comme vous l'avez commencé contre Izer. C'est une belle victoire parce que c'était un match de fin de saison, mais franchement les deux équipes ont joué le jeu quand même. Oui, oui, on fait une bonne première mi-temps, intéressante dans le jeu, en faisant bouger l'équipe adverse. Je pense qu'ils rentraient avec beaucoup de frustration à la mi-temps, eux, en n'ayant pas vu beaucoup le ballon. Et en deuxième mi-temps, à l'inverse, on était un peu suffisant et on a pris concédé pas mal d'occasions. Heureusement qu'Edar fait une bonne deuxième mi-temps parce qu'on a été un peu en difficulté sur la deuxième mi-temps. Ça a été une saison éprouvante, vous finissez deuxième, mais ça a été une belle saison, Roland. Oui, c'était une très belle saison. Je pense que c'était le leitmotiv un petit peu de la causerie d'aujourd'hui. Je pense que les joueurs peuvent être fiers d'eux. Moi, je suis énormément fier d'eux. Après, il fallait rester sur une bonne note. On a su le rester par le score, pas complètement dans le jeu parce qu'on a fait qu'une bonne première mi-temps. Mais la saison est très positive et ça donne déjà envie de rattaquer une autre saison. Roland, comme j'ai posé la même question à Baïdi, si tu devais garder une seule image cette saison, une seule image qui vient à l'esprit, ce serait quoi ? Là, ce serait l'égalisation contre Grenoble au mois de décembre où là on avait vécu un moment très sympathique et aussi je pense la tribune contre l'Olympique Lyonnais qui était pleine et où c'était un beau moment de football, un très beau match. Je pense qu'on avait montré un beau visage ce jour-là, c'est dommage qu'on le perde, mais c'était vraiment un match très plaisant à jouer à Massot et de voir la tribune pleine comme ça pour un match de championnat. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Merci Roland et bonnes vacances alors. Merci.